est-ce que le riche de la parabole est dans l'enfer des damnés ou est-ce qu'il est dans l'Hadès, le Shéol, le passage de la mort? C'est une vraie question qui se pose. Et je dirais, lorsqu'on regarde la totalité des pères de l'Église, jusqu'à Benoît XVI, des docteurs de l'Église, tous ont affirmé qu'il était dans l'enfer des damnés. Et il s'appuyait pour le dire sur le fait que, à un moment donné, Abraham répond à ce riche, ça se trouve en Luc chapitre 16, à partir du verset 19, il lui répond « Une distance a été mise entre vous et nous, nous qui sommes dans le paradis, le sein d'Abraham, de telle manière à ce que vous ne puissiez pas venir ici. » Et donc certains ont interprété que cette distance était à jamais, et que donc ce riche, qui pourtant paraît repentant, qui prie pour que ses frères soient prévenus, qui ne viennent pas dans ce lieu de souffrance, qui supplie pour que la grâce lui soit donnée, donc qui semble avoir soif de Dieu, eh bien, cet homme-là semble damné pour l'éternité. Fondé là-dessus, c'est élaboré au Moyen-Âge une théorie, comme quoi l'enfer, des hommes repentants, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le Christ ou qu'ils n'aimaient pas le Christ à l'heure de leur mort, et donc après leur mort, ils arrivaient sans la grâce, pouvaient être damnés, un peu comme une loterie, un couperet qui tombait. Et que malgré leur repentir dans cet enfer éternel, la justice de Dieu s'appliquait. C'était trop tard, tant pis pour eux. En réalité, lorsqu'on regarde très précisément le texte biblique, il n'est pas dit qu'il est dans l'enfer des damnés. Il est dit qu'il est dans l'Hadès, autrement dit le passage de la mort, le séjour des morts. Eh bien, pour la première fois, en 2007, un pape, dans une encyclique, portant une autorité magistérielle, Spe Salvi, au numéro 44-45, le pape Benoît XVI s'est penché sur ce texte. Et, contre toute la tradition, il a dit « Probablement que ce riche, pour lui, la sentence n'a pas été prononcée. Il n'est pas dans l'enfer définitif. Probablement que c'est le purgatoire. » Ça veut dire que ce riche est condamné à se purifier à travers des souffrances qu'il vit, il n'en a pas vécu sur terre, pour acquérir un cœur prêt pour le salut qui lui sera proposé. Ça change tout. À ce moment-là, son attitude, pleine de sollicitude pour ses frères et qui a soif de la grâce, devient explicable. Il ne peut pas être damné parce qu'il est repentant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Comment reconstituer les choses? Le pape Benoît XVI continue dans Spe Salvi au numéro 47 et dit « Certains théologiens disent que l'apparition du Christ à ceux qui sont dans le passage de la mort, c'est ça qui leur manifeste leur propre saleté, qui les bouleverse au fond du cœur et en le voyant, en voyant son visage, ses larmes, son battement de cœur, ils y trouvent le salut, ils peuvent être sauvés. » Oh, le pape n'en fait pas un dogme de foi, il le propose à l'Église. Mais alors, il fait avancer énormément la recherche théologique et il semblerait que le fameux texte de saint Pierre dans la première épître au chapitre 3, verset 19, prend son sens quand il dit « C'est lui, Jésus, qui s'en alla même prêcher aux esprits qui étaient en prison, à ceux qui avaient jadis refusé de croire lorsque Dieu patientait et que, au jour de Noé, Noé construisit son arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » L'eau, ça veut dire la purification de la souffrance. Alors attendez, avant de conclure, une petite objection doit être donnée. Un pape, dans un dogme solennel, infaillible, le pape Benoît XII au Moyen-Âge, un pape d'Avignon, a dit ceci. Nous devons tenir comme une vérité révélée que, après la mort, un homme qui n'a pas la grâce est damné pour l'éternité, aussitôt. Il n'y a pas de salut pour lui. Et donc on devrait dire, alors, c'est impossible d'interpréter ça comme ça. Ils sont après la mort, ce riche est après la mort, c'est trop tard, il est damné. On ne peut pas faire mentir un dogme solennel. En réalité, la solution est très simple. C'est qu'on a interprété ce dogme du pape Benoît XII comme après la mort, à veut dire après la mort biologique, après l'arrêt du cœur. Alors qu'évidemment, ce sont des paroles venant de l'Esprit-Saint qui parlent de doctrine du salut. Il s'agit après la mort, après la mort au sens biblique, donc le passage entre ce monde et l'autre, qui est parfois un séjour, le Shéol, l'Hadès, le passage où les âmes n'ont pas encore vu le Christ et où l'ange du Seigneur peut, à un moment donné, en tout cas dans l'Ancien Testament, leur annoncer ce salut à venir. Alors ils peuvent se tourner vers lui, si bien que, après ce passage, après la mort, si quelqu'un n'a pas la grâce, c'est qu'il l'a refusé, parfaitement lucidement, en toute maîtrise de soi, c'est le blasphème contre l'Esprit-Saint.
ils sont damnés aussitôt parce qu'ils le veulent.